Hey, salut tout le monde, c'est Flaria, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de Pokémon Épée, on perd pas de temps. Je veux bien le Karatroc. Mince, j'aurais dû mettre Kelocroc en lead. Ah parce que là, des Pokémon de type roche, on va avoir que ça, c'est une mine en même temps. Ça paraît évident, ah bon. Alors j'avais oublié qu'il avait évolué, donc j'essaie. Je voulais dire Torgamor, pas Kelocroc. Alors j'ai Pierre. Alors c'est vrai que le Karatroc, il a soit une défense abusée, soit soit des PV abusés, je sais plus. Mais après Siphon c'est spécial, non? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Morsure. Alors il me semble que, Karatroc donne beaucoup d'XP. Je sais plus. Oh, il tient quoi? Une baie? What? Le bol de jus de baie? Je connaissais même pas cet item. Le bol de jus de baie. D'accord. Bah ok. Sur 25. Ah. Un coup de siphon. Ok, je vais lancer une balle. Allez, la super. Quoique j'ai pas de sombre balle. Non. J'ai pas de super balle par contre, ça c'est dommage. Yes! Karatroc. Alors je l'ai attrapé juste parce que j'aime bien Karatroc. Hein. Il n'y a pas d'autre raison. Pokémon pourri. Hein, quoi? Non, je suis pas d'accord. Alors, ma voix est peut-être un peu plus faible que d'habitude. Oh non, pas toi. Oui, encore. Ouais, bah, je me dis la même chose. Encore toi. Pas envie, toi. Pas envie de te voir. J'aime pas Trévis. Hein, je suis désolé. Pour. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment. vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. J'ai passé son premier dialogue. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi d'ailleurs. Te croirais-tu à ma hauteur? Ne me fais pas rire. Laisse-moi te montrer en combat l'étendue du gouffre qui nous sépare. Alors, je veux juste... Attendez, laissez-moi réfléchir. Faut que j'essaie de me rappeler quelque chose. Est-ce que ma mémoire... Attendez. Il me semble... Je vérifie. Parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Ouais, ok. Oui, il y a pas de place pour les faibles. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je veux juste changer mon lead, en fait. Ah, bon... Hé ! J'ai été sélectionné par le président de la ligue en personne. Tu n'as aucune chance. Mais le président de la ligue n'a, à notre connaissance, pas beaucoup de d'expérience en combat. Alors que le maître, je pense plus. Ok. Alors. Je dois avouer que tu as juste un peu progressé. Juste un peu. Oui, juste un peu. Juste un peu. Mince, est-ce que j'ai des super potions? Gros malin, va. Crit. Crit, 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 crit. Oh! Ah! J'ai pas un move de priorité. Non. Eh bien. J'attaque d'abord, de toute façon, non? Yeah! Au revoir, Nucleus! Faut que je me régène quand même. Hein. Choc psy, ça fait mal.
J'aime bien ça. Je dois avouer que son thème est cool. Je dois avouer que le thème de Travis est cool. J'aurais peut-être dû mettre la potion avant. Hein. Tue pas. Ah oui, mais Blosey il tank largement. Alors, je vais donner une potion à Salarsen. Et refaire Picor. Vous savez quoi, on va mettre KO son scruté là avec Blosey. Ah, quoi que Raphaël Psy. Mais non. Mais Blosey est trop fort. Blosey est beaucoup trop fort. Blosey tank tout. Le type acier. Quoique, est-ce qu'il est... Non, il a pas le type acier encore. Oh, j'ai spoilé. Bah voilà, l'évolution de Blosey et le type acier. Allez, Salarsen niveau 31. Toujours plus d'over level. Et on va remettre Salarsen. Mince, j'ai fait ne pas changer. Oh, tant pis. Spam Picor. Ne faites pas ça. Hein. Puisque c'est ainsi, je vais te faire goûter une capacité dont tu me diras des nouvelles. Waouh. Incroyable. Tu n'avais pas fait Rafale Psy le tour d'avant. Vraiment. Hein. Alors, je vois le micro qui s'appuie. Qui va dans le rouge plus que d'habitude. Pourquoi? Un Ponyta. Mais c'est un fake. Allez, avec Salarsen. Il y a Blosey en backup si jamais il faut. Tu as réussi à me pousser dans mes derniers retranchements. Je t'en félicite. Arrête de me féliciter pour rien. Je te bats et après t'as le droit de me féliciter. Hein, quoi? Je suis prétentieuse? Oui. Choc mental. Aïe. Aïe. Oh. Ne te frappe pas dans ta confusion. Yeah. Au revoir, Travis. C'était cool, mais je dois aller à Motorby pour la troisième arène. Toi, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Juste va-t'en. Tu es bien brave, donc j'ai pitié de toi et je t'ai laissé gagner. Si tu veux. Toutes mes excuses. Il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement... Il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable, mais tout simplement pitoyable. C'est toi qui as perdu deux fois. Sinon, bon, bref. Quoi qu'il en soit, tu es bien loin d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes. Comme on a autant de badges... Enfin, bref, je vais arrêter de... Mais tu as bien mérité une image pour l'effort. Tiens, prends donc ma carte de ligue. Je peux l'acheter dans l'eau qui est juste à côté. Tu m'excuseras, mais j'ai des étoiles vues à collecter. Ciao. Ciao, c'est la meilleure chose que tu aies dit de la journée. Oh, ça va, on a tous déjà eu un personnage qu'on aimait pas. Alors ceci, le petit truc qui ressemble limite à une Pokéball, c'est un Limonde. Donc je n'irai pas dessus. Par contre, ça, c'est un dresseur. Mon Pokémon déborde d'énergie et ne tient pas en place. Bref, il veut le se battre. Fine. On va enchaîner les combats. Hein. J'aurais dû changer mon lead. Pour Wagomine en plus. Alors du coup, on dit un wagon et pas un wagon. Parce que je suis pas belge. Je sais qu'en Belgique, ils disent un wagon. Du coup, est-ce qu'on devrait dire Wagomine? Bah moi je dis Wagomine parce que c'est comme ça que ça me vient quand je le lis, mais... Mais sûrement qu'on dit Wagomine en fait. Entière. Ah bah... Heureusement que j'ai Switch, hein. Il me faudrait un autre move haut que Siphon quand même. Faut que je regarde si j'ai pas une CT. Quoique... Quoique... Ouais... Oh oui, il a plus 3 en vitesse là. Enfin, augmente beaucoup, c'est plus 2. Du coup, augmente énormément. J'ai toujours assumé que c'était plus 3, mais ça se trouve, c'est autre chose. Hein. Bon, Siphon, bon, c'est pas si mal. La Pierrot qui level up. C'est cool parce qu'on est dans une mine. Du coup, je mets Torgar Mort en lead et c'est celui qui a le moins de d'XP. D'ailleurs, je vais mettre Karatroc dans la boîte. C'est vrai qu'il faut qu'on trouve Kobu. Il faut pas juste qu'on traverse la...
la mine. Hein. Oh, bah voilà, voilà qui va me servir dans la grotte. Trois sombres balles. Là, je crois que j'ai pas le choix. Bah si, j'ai totalement le choix, mais... On va combattre le Limonde. Enfin, un Limonde. Donc c'est un Limonde de Galar. Il vient d'Unis à la base, Limonde, je crois. Enfin, à l'origine, plutôt qu'à la base. Alors... Étincelle, parce que j'aimerais ne pas le tuer. Il est subsol. Je suis trop nul. Oh, mais je suis vraiment... Mais... Au revoir. Wow, 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 wow. Let's pump it up, pardon. Si vous avez cette référence, sachez que je vous aime. Voilà. Si vous ne l'avez pas, je vous aime quand même. C'est pas grave. Faut que j'achète des Super Bowls. Hein. Ah, alors du coup... Vengeance. Non, j'ai que 6 fonds de type. Très bien, bah... Non, c'est pas dans le sac. Changer mon lead pour une fois, là. Que j'y pense. La Pierrot qui fait plus grand-chose pour l'instant. Oh. J'en ai marre de bosser. Je vais plutôt utiliser ce que j'ai appris sur le chantier pour me battre. Ok. Beverly. Peut-être... C'est depuis la 6G ou la 7G que sous les capacités, une fois que les types sont connus, il y a marqué l'efficacité. Il me semble que c'est depuis la 7G, mais j'ai pas fait la 6G, donc... J'en sais rien, en fait. Mais il semble pas qu'en 6ème génération... Non, je crois pas qu'il y avait ça en 6ème génération. Ouais, là, c'était juste efficace et... ça fait rien. Siphon, ça a 35 de puissance. Alors, ça attaque en plusieurs tours, c'est cool, mais... Bon, bah... 35, quoi. Je préférerais un... Une attaque offensive d'un coup... Qui n'a pas de multi-coups, on va dire. Après, je dis pas que que toutes les capacités de style siphon sont nulles. Hein. Parce qu'il y a Vortex Magma. Bon, c'est un move signature, mais Vortex Magma, c'est hyper fort. Bon, le Pokémon qu'il a est très fort de base, alors effectivement... Nya. Ah, je peux pas encore y aller là. On n'a pas encore de quoi traverser les plans d'eau. Une acrogriffe prolonge la durée des attaques à tour multiple telles que ligotage et étreinte. Ça marcherait sur siphon du coup. Oh la team. Pardon de te déranger, mais t'es bien une challenger, non? Oh là là, c'est super impressionnant, tu voudrais bien nous accorder un petit combat, mais qui êtes-vous? Ah, t'es là, Luna. Ouais, tu t'es déjà trouvé des groupies, on dirait mon frangin. T'es qui, toi? On t'a pas sonné. C'était un faux jeu. On s'en doutait un petit peu. Je m'appelle Nabil, je suis le prochain maître. Ok. Cette ligne de dialogue. Non mais lol, quoi. On sait tous que le prochain maître, c'est Rosemary. Je suis pas forcément contre. Quoi, vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver? Vous allez le regretter. Ah bon? Allez, viens, Luna, on va leur montrer. Oui, non, allez. Et ouais, on est recommandé par le maître en personne. Vous allez voir ce qu'on sait faire. Vous êtes vraiment à la ramasse. Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est la dure réalité du défi des arènes. Pourquoi il a fallu qu'il réplique l'autre nain?
Il était bien notre plan d'embobiner les challengers en étant poli pour mieux les dégager un par un. Non, il était pas bien. Et alors, quand un plan, même s'il a raté, t'es pas obligé de l'exposer en... Bref. Hein, voilà. Alors, j'ai Torgamor en lead, ce qui pour le coup n'est pas... Non mais, il a Mouhout. Ok. Alors. Évidemment, c'est sur moi, hein. Oh. Ah oui, parce que ça peut miss en plus, s'ils font... Bah oui. Ah non. Ah non. Bon, je vais switch, hein. Pardon, je... je faisais du bruit inutilement. En fait, j'ai... Il y a des sons qui passent dans mon micro, alors qu'ils devraient pas. Il y a des sons qui, quand tu les entends, tu te dis, ils vont passer dans le micro, et en fait, ils ne passent pas. C'est très bizarre. Alors, on va commencer à arrêter de rigoler. Parce que c'était marrant 2 secondes. Voilà, allez, hein, voilà. Le thème de la Team Yell, il me fait penser à Sonic. Enfin, aux musiques de Sonic. Parce que dans Sonic, il y a beaucoup de musique rock slash metal. Il n'y a plus le mais il n'y a pas de cible, c'est dommage. C'était drôle. Un pan d'espiègle. Et un léopardus. Double pied, mon attaque la plus efficace de toute façon. Allez. Ah, ça fait pas mal. Enfin si, comme ça en 2 coups, si, ça fait mal, mais je touchote quoi. Tourmente. Il est tourmenté. C'est marrant les capacités comme ça qui te disent pas vraiment ce qu'elles font. Enfin, tu sais pas tout de suite ce qu'elles font. Eh, mais c'est moi qui prends quasiment toutes les attaques. Rugissement. Allez, alors du coup, je sais pas si je vais tout shot. Clairement pas, du coup. Ah, pourquoi c'est si long un combat? C'est bizarre, dans ma tête, vraiment, les combats étaient plus rapides. Enfin, contre la Team Yell. Allez, le plan d'espiègle, ça c'est fait. On a éliminé une des 2 personnes. Et du coup, la Pyro va sûrement tomber KO. Mais Nabil va renvoyer un Pokémon. Voilà, Bluzel, c'est déjà beaucoup mieux que mon mouton. Et il faut qu'on détruise ce Léopardus. J'ai de sable. Et en plus, c'est sur moi. Voilà. Merci, Nabil. On a perdu. Mais où est le reste de la Team Yell quand on a besoin d'Yell? On aurait... peut-être eu une chance de gagner si on avait pu faire un max de bruit. C'est pas comme si on vous en avait particulièrement empêché, mais why not, hein. Toi là, t'es le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Et des frères mieux que d'autres. C'est tellement pas juste. Ah! La team nous vengera. Ouais. Bien joué, Luna. On ferait vraiment la paire, toi et moi. Au fait, t'as vu Kabou une fois? Oh là, j'ai... Ma fourche à languer.
T'as vu Kabou, toi? Parce que moi, non. Continuons de chercher, on va bien le trouver. C'est pas la sortie de la mine, là? Ah oui, il y a un Torgamor, carrément. Un sac de sable doux qui augmente la puissance des capacités de type sol. Je sais pas trop à qui je pourrais le mettre. Ah, mais cette mine est très longue! Ah, je suis soigné. Bon. Personne ne résiste à la puissance de la vapeur. Ah, du coup, il a des types feu. Lazare le cheminot veut se battre. Ah, du coup, il a un rototop. Ah. Je crois qu'il est faible au type eau, non? Je sais plus. Oui. Il y a des Pokémon, je ne me souviens plus si on les a déjà affrontés ou pas. Ah, tout rapide. Tout rapide. Il y a mieux pour faire. Il y a mieux comme capacité qui tape puis qui augmente la vitesse quand même. Bon, alors je connais pas le moveset de Rototo, mais. Je suis pas bon en strat. Hein. Ah, un Onyx. Alors là. Siphon, ça va piquer. Ouf. Ok. Je vais rallonger un peu l'épisode, mais je veux finir la mine. Quitte à ne faire que ça. Ah, tourbissable. Ça me rappelle que j'ai oublié une CT quelque part. Il veut fight. Je suis sûr qu'il veut fight. Ah bah non. Timiel, merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie vos efforts. Mais que je ne vous reprenne plus à déranger un Wagomine dans son travail. Mais on voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Kappa. Bon, la Timiel sait reconnaître quand elle est vaincue. Allez hop, on remballe. Ouais. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. C'est Kabou. Comment il les a incendiés? C'est pas pour rien que c'est le champion du type feu. Nabil et Luna, c'est ça? Les challengers recommandés par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants aux challengers. Mais on va se combattre à l'arène, non? La mine de Galar numéro 2 regorge de Pokémon haut, un véritable défi pour mon équipe de type feu. Effectivement. Enfin, assez parlé, il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour Motorby, je suppose. Dans ce cas, continuez tout droit et vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi des arènes. Au plaisir. J'ai pas croisé tant de Pokémon haut que ça. Viens, mon brave Wagomine, je te raccompagne. C'est mignon. De brûlants combats nous attendent demain. Oui. Mon frangin m'a parlé de Kabou. Il paraît que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, va pas falloir se relâcher. Tu hugues dans le vide, là. T'étais en mode hit, mais dans le vide. Donc, enfin, devant rien. Donc, dommage. Passer la nuit à l'hôtel Rose Bouton d'Or. Fine. Bon, on va s'arrêter à l'entrée de la ville. Ah, il y a une route. Ah, j'avais oublié qu'il y avait une route. Le Wagomine de tout à l'heure devait être là pour un Poké Service. Tu sais ce que c'est? On va dire non, parce que je l'ai pas fait. Ah, tu sais pas? Attends, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des Pokémon pour accomplir des missions. Et il paraît qu'on peut leur prêter les nôtres en s'adressant à Infotisma dans les centres Pokémon. En tout cas, c'est ce qu'il y avait écrit dans les notes du frangin. Bon, on file se reposer à l'hôtel. On a toujours nos chambres aux boutons d'or de Motorby. Faut qu'on soit en fou. Non! J'ai maintenu B, j'ai pas réappuyé, ça skip. Oh, il y a des Norfang. Direct. Bon, et ben nous, ça fait 25 minutes, donc on va s'arrêter là. Pour cet épisode, on aura traversé la mine. Voilà, une zone 25 minutes. Franchement, voilà, ça va. Franchement, c'est un temps plutôt normal.
Norfang, qu'est-ce qui t'arrive? Le Norfang, il est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le Norfang. D'accord, bon bref. Sur ce, je vous fais des bisous, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.